Salut à tout. Oh là. C'est Noah, j'ai juste changé de... Oh Noah, tu as changé de... Ah oui, tu m'as follow en plus. C'est vrai. Remercie du follow. Je remercie aussi Hadès qui m'a follow. Salut à tout. Oh Oh là. là, attendez, je me suis pas coupé le retour. C'est Noah, j'ai juste changé de... Hop là. Salut Understormy, aussi présent, toujours présent, le duel. Oh mais Noah, tu viens de revenir. Enfin, t'as changé de compte. Tu vas devoir recommencer tout le level up à zéro. Par contre, pourquoi il est à 24? La barre là. T'es censé être à 26. Tu es censé être à 26. Car nous avons deux nouveaux followers. Pourquoi ça ne va pas? Comment ça va? Votre week-end commence bien? Ouais, j'ai changé de compte, je dois tout recommencer. Et ouais, ne t'inquiète pas. Avec Melfi, oui. Ah, vous avez ouvert des boosters déjà? Parce que nous, on va se faire ça illico. Je vais faire des ouvertures Melfi. Bah, je vais faire une ouverture tout court. Donc, si j'ai Melfi, j'ai Melfi. Oh, ces cheveux horribles qui prennent le pouvoir sur cette tête. Par contre, c'est flou là. Caméra. Caméra. Attendez. Hop, propriété désactivée, activée. Voilà. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce. Du coup, ça disait, moi j'ai ouvert des boosters, j'ai mis 4000 gemmes, j'ai eu la moitié du deck. Du deck Melfi, 4000 gemmes. Normalement, faut plus que ça. Hein. Non, je veux dire, il n'y a même pas de grosse rareté. Après, il y a des cartes que moi j'ai déjà d'avant. Donc, mais qui ont quand même été rééditées. Donc, j'ai pas besoin de les avoir 12 fois. Après, j'avoue, on va voir ça tout de suite. On a aussi prévu. Attendez, je trouve mon petit papier où j'ai noté tout ce qu'il fallait. On a un duel contre El Poubelle. Car il a recopié un deck naze qu'on a rencontré mercredi. Donc on a rencontré un deck naze, il l'a recopié moyennement. Hein, c'est-à-dire il y avait des cartes qu'il n'avait pas, hein, je l'ai autorisé à ne pas le. À mettre autre chose ou rien pour diminuer les 24 cartes inutiles. Donc on va refaire ce duel en live. Je proposerais même de faire un match miroir, donc je recopierais même bien le deck bien nul. Donc j'ai dû reset la box une fois. Et bien nous on va. Salut Nathan, ça se passe bien? Ton week-end, tu vas bien aussi? Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, alors, Noah, la dernière fois tu avais fait commande YouTube, ça n'existait pas. Maintenant oui. YouTube est là, j'ai rajouté. Insta, tranquille et toi? Tranquille, commence les petits samedis au calme. J'ai eu, comme pour ceux qui ont vu, j'ai eu Pokémon Épée, j'ai toujours pas joué. Parce que je veux d'abord finir une autre version. Non, Twitter, non, ça sert à rien. Twitter, je suis jamais dessus. Voilà. J'en ai un, mais je suis jamais dessus. Après, s'il y avait des gens, peut-être que oui, j'irais dessus, mais je suis pas un, moi, je suis pas un tweetos, moi. Après, je peux vite l'ajouter si vous voulez. Hein. Ça prend 2 secondes. Attendez. Hop, on ouvre Twitch. Hop. Bah ça on en reparle. Voilà, chut. J'ai pas invoque. J'ai un peu décroché. Là, je tryhard Lost Centuria. Je suis sorti hier. Avant hier, plutôt. Lost Centuria. Je ne connais pas du tout. Je suis 4. Je suis dans les 4 premiers pourcents mondiaux. Oh, mais tu. C'est plus du tryhard là. C'est quoi comme jeu? Je connais pas du tout. Jamais. Non, ça me dit rien. Alors, hop. Twitter, Twitter, Twitter. Où est-ce qu'il est Twitter? Je vais mettre la commande Twitter. Vous pouvez follow le Twitter. Mais ça ne... je vous dis. C'est pas un truc sur lequel je vais souvent. Ça ne servira à pas grand-chose. Trop compliqué à expliquer. Dis-moi juste, c'est un jeu PC, un jeu téléphone peut-être?
Dis-moi juste ça. J'irai me renseigner moi-même. C'est un jeu de stratégie en temps réel sur mobile 1. D'accord. Du coup, tu es un stratège. Ça fait un nouveau son sur PC quand on allume du Link. Du coup, la première fois, ça m'a fait bizarre. J'étais là. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se lance sur mon PC? Quel est le fuck? Alors, on va rajouter le petit at Twitter. Il y a at Facebook aussi, mais je ne pense pas qu'on va le rajouter celui-là. On pourrait, hein, mais quoi ça servirait? Allez, ajouter une commande. Twitter. Hop, copier le lien. Follow. Confirmer, bingo. C'est bon, normalement, on peut rajouter la commande Twitter. C'est un jeu de stratégie face de fouille. Attention. Twitter, ça marche. Face de book, avant Discord, j'étais plus sur Facebook parce que techniquement, tous les potes à qui j'ai partagé la chaîne sont sur Facebook. Mais c'est long. J'aime pas en fait comment ça te montre, comment ça marche tout ça. Du coup, on va ce pack opening, ce petit Eternal Stream, on va lui rouler dessus. Oh! Oh! C'est aujourd'hui, hein, par contre. Donne-moi mon booster. Oui, elle est là. Oui, on sait bien. T'inquiète. Bientôt, nouvelle boîte? Nouvelle boîte. Du coup, ça nous fait des gemmes en plus, hein. Un petit 3500 gemmes qu'on va mettre dans le jeu. Nouvelle boîte, blablabla. Ah, ça fait 2 jours que je reçois ces prédictions et j'oublie de les faire. Acheter un objet auprès du changeur, 23 gemmes. Ça, on va le faire. Parce que dans 23 gemmes, je passe à 3000. Donc... Ah, on est repassé hors du coup, oui, parce que. Voilà, peut-être qu'on a des gemmes ici. Bon, allez, ça dégage. 500 gemmes, je prends toujours. Hein. Changeur de carte. Changeur de carte, on prend. N'empêche, 23 gemmes gratos comme ça fait plaisir. Surtout qu'on prend une carte qui vaut rien du tout. Histoire de compléter nos playsets. Parce qu'on sait jamais que des cartes reviennent en force. Alors. Hop, c'est fait. Donne-moi mes 23 gemmes. Merci. Ne les mets pas dans la box, mets-les dans mon portefeuille. Et c'est parti pour l'ouverture. Eternal Stream. Croisons les doigts. Tout ce qu'on veut, c'est en dessous de SR. Du coup, on devra avoir tout ce qu'on veut. C'est parti. Tout le monde est prêt. C'est parti. Let's go. Arc machin. Tour de Babel. Onomatopie. Chaque fois qu'il y a plusieurs monstres utopie. Ok, c'est bon. Ouais, point de feu, on prend. Et notre premier bête de niveau 2. C'est parfait. Voilà, défi historique, échange de bêtes. Bon, on n'a pas d'historique. Oh, déjà une Xyz? J'ai même pas regardé la carte d'avant, c'était quoi? Je suis passé tellement. Voilà, un rituel, ok, on sait qui c'est, il y a qu'un seul rituel dans le jeu. C'est le point de feu. Bloqueur UA, j'ai même pas de deck UA, je m'en fiche. Ah, épée pliante. Attendez, j'ai mal vu. Non. Ouais, point de feu. Je m'en fous du bloqueur. Et ce premier booster est pas mal en SR. Hein. Et le jeu là, il me régale. Deuxième elfie. Yes. Et j'ai eu. Vous avez vu ça? 5 SR. 5 SR, les gars. La chance tourne. Oh, c'est reflou! Caméra. Caméra.
C'est redevenu flou, mon sang. C'est reflou, redevient normal. Caméra. Vous savez ce qu'on fait dans ce cas-là? Quand elle coopère pas, on fait ça. Alors, mais ça là. Ça là au moins devient pas flou. Quand ça veut pas coopérer. Yo! Salut à toi, Shoto 360. Comment vas-tu? Ton week-end commence bien? Très bien, et toi, j'ai une question. Mon week-end commence bien, oui. Et j'ai peut-être une réponse. Dis-moi. Je vais attendre la question pour passer à la suite de l'ouverture. Non, c'est pas. Quel deck peux-tu me suggérer pour débuter le jeu? Je vais. Est-ce que tu joues déjà à Yu-Gi-Oh! De base? Si tu joues déjà à Yu-Gi-Oh! Enfin, si tu as déjà joué à Yu-Gi-Oh! Avant, tu connais un peu tout ce qui est X6 Synchro. Non, je regarde les séries. Ok. Donc tu vois un peu ce qui est une synchro, tout ça, c'est déjà ça. Tu viens vraiment d'arriver dans le jeu ou t'as déjà ouvert quelques trucs? Je vais débuter. Donc tu vas seulement le télécharger. Je ne sais pas combien reçoit Gem quand on télécharge le jeu. Understormy, tu sais peut-être répondre, parce qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps non plus. Mais beaucoup, ok. Tu vas peut-être être d'accord avec moi, Understormy, à la boxe avec Harpie. Parce que c'est un deck qui est déjà très fort, et il y a tout dedans quasiment. Donc moi je conseillerais la boxe Harpie. Il y a deux decks forts en plus, voilà. Je vais te montrer. Je suis bon, mais c'est pas un chiffre. C'est genre 5000, un truc comme ça. Je pense que c'est 5000, ouais. Dans tous les cas, t'en auras plus que moi, j'en ai là. Non? Pas 5000? 4000? 3000, un truc ainsi. Dans tous les cas, 3000, même 3000, c'est déjà pas mal. Sachant que quand tu commences, c'est plus facile d'avoir des gemmes 25. 25-0. 2500, tu voulais dire. Même 2500, ça fait quand même. Oula! C'est encore pire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non, là, par contre, faut pas croire ce chiffre. Non, du coup, je te conseille clairement cette box-là. Celle qui est ici. Juste en dessous de ma tête, que je vais donc vite fait déplacer. Hop, on va la mettre là. De toute façon, hop. Non, alors je te conseille cette box là, moi. Parce que il y a très peu de cartuaires, donc ça va aller vite. Tu peux. Et comment dire? Ce qu'il te faudra. Pour jouer Harpie, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs decks en ce moment. Shoto, donc il te faudra ça. Même deux fois, c'est bon. 2-2-2. Ça, il t'en faudra une ou deux. C'est mieux deux. Et toutes les autres cartes harpies sont obtenables via un personnage.
Sachant que Harpy, il y a eu donc il y a eu une banlist, donc ils ont limité des cartes qui étaient trop fortes. Et comme Harpy est trop fort, mais vient d'arriver, ils l'ont laissé tranquille. Donc en ce moment, faut profiter de Harpy. Sachant qu'il y a Effa aussi qui est dedans, que Understormy joue justement, qui est très fort aussi en version free-to-play, qui est vraiment pas mal. Merci Choto de rejoindre la commu. Oh, je vais casser ma chaise. Donc voilà, comme dit dans Stormy, si t'as pas de chance, tu chopes des FA et c'est quand même pas mal. Je t'invite d'ailleurs à rejoindre le Discord parce que on poste. Les dernières qu'on a postées, c'est des decklists justement Harpie. Enfin, faudra un petit peu remonter. Où tu pourras poser la question à tous ceux qui sont sur le jeu. On te répondra sans problème. Alors, du coup, moi je voulais vite fait checker un truc. Oh là. Je me suis dit, qui m'envoie un message? Ben, non, Jordan. Tu as demandé. Du coup, des gens débarquent. Sur historique discipline. Je cherche à retourner sur. Bah non, c'est quoi? Ça se met pas à jour les follow. Ah, et vous connaissez? C'est moi qui les ai postés. Ouais, mais même tout au-dessus, il y avait encore avant, il y avait des decks harpies. Il y avait quelqu'un qui nous avait demandé une decklist harpie. Non, j'ai ouvert la mauvaise box! Oh, vu que j'ai changé de box. J'ai ouvert la mauvaise box parce que je suis allé montrer Harpie. Ah bah écoutez, si j'ai la synchro Harpie, ça me va très bien. Du coup, hop, 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 super, hein, les 500 gemmes perdues. Le problème, c'est que j'ai déjà tout dans cette box. Oh, je vais la passer directement, ça ira plus vite. Comme ça. Ouais, la seule qu'on veut pas trois fois. On l'a eu trois fois. Voilà, on remercie Choto, hein. Non, je rigole. Bon, en tout cas, voilà. Choto, ici, tu es sur une chaîne qui fail énormément. Même en match, tout ça. Les nombreux fails, tu les as ici. Oh, remboursez-moi mes 500 gemmes, s'il vous plaît. Baffe de combat enragé. C'est ce que je voulais, c'est bon, faut arrêter d'ouvrir. Ça aussi, mon dieu. On ne regarde que les cartes qui nous intéressent, hein. Qu'est-ce que j'ai fait à Pikachu? Ma photo de profil Discord, c'est un Pikachu il apparaît comme ça dans l'animé. C'est pas moi qui l'ai pas respecté. Moi je l'ai vu. Moi j'ai juste pris un screenshot. Oh, formation feu tanky, pas mal. Melfi, par contre, vraiment. Moi j'ai rien fait. Pikachu, je l'ai pris comme ça. Et en plus, en vrai, j'ai pas été, j'ai, je l'ai trouvé sur internet. J'ai pas été voir l'épisode parce que je ne regardais pas Pokémon. Mais s'il apparaît vraiment comme ça dans l'animé, parce que sur l'image que j'ai vue, il était même pas en arrière-plan, il était vraiment juste à côté de Sacha. Et l'ont dessiné ainsi. Je sais pas, il a dû se faire exploser. Je sais pas ce qu'il lui a pris, pauvre Pikachu. Non mais vas-y, belle fille! On a même un deck qu'on veut qui est nul à chier, on l'a pas. Nul à chier en termes de rareté, pardon, car en termes de puissance, moi je l'adore. On a même pas les ratons laser qu'il nous faut. On n'a pas le temps. On attend qu'il passe level up, hein. On attend Lama à battre ici. En termes de level up. Pony, oui, on a deux ponies, je pense maintenant. Ouais, après, on a Pony en foil, hein. En prismatique. Pardon, j'ai du mal à. Mais bon, nous, on veut pas que Pony, même si c'est le seul Melfi
Or, peut-être 6 qu'on va jouer. Quoique, je réfléchis un peu, mais on verra. Oh, Melfi et... Encore ce truc? Encore ce machin? Stop de me donner des doubles. Oh, je l'ai deux fois, elle. Par contre, elle, si on veut faire le deck... J'ai oublié le nom du deck, bien sûr. Alors que c'était écrit... Oh, une deuxième Melfi, ça c'est bien. Boum, boum. J'ai rien. Je m'en fous de cette carte. Ah, et... Oh, on a un peu plus de chance en Melfi, là. Et en ratant laveur. Ouais, c'est pas le Melfi qu'on veut, mais on l'a eu. Deux formations de feu! Oh les gars, je suis trop content parce que... Si tu veux faire un deck monde ténébreux, c'est cool. Ouais, mais monde ténébreux, c'est dans plein de box éparpillés. J'ai rien du tout, moi. En monde ténébreux. Du coup, c'est mort. Après, je dis pas que la carte est mauvaise, non. Nous, ce qu'on veut, c'est du Melfi. On n'est pas venu pour des decks top tier. Voilà, des UA, tout ça, on n'en veut pas. Nous, on veut... Oh! On veut ça! Ça, on veut bien, par contre. Une pointe de feu comme ça, on veut bien, ça. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. La meilleure carte de... Non, en termes de rareté, c'est la meilleure carte du deck. Les Melfi commencent à débarquer, hein. C'est ça, on prie pour des cartes éclatées. Et... Il faut pas le dire, maintenant que tu l'as dit sur internet, on va être biaisé. Mais, comme vous pouvez voir, on a deux. On a eu. Ah, c'est pas ça que je cherche. Où est-ce qu'elle est? On l'a deux fois maintenant. C'est parfait. Et il n'y a pas eu d'autres Melfi. Et puis il y a ça qu'on a au moins une fois. Allez, c'est les 500 derniers boosters. On tente le tout. Pour le tout, c'est faux, on cherche rien donc. Oh, merci. Waouh, par contre, les ZW, j'ai pas lu du tout. Troisième Elfie, c'est parfait. Deux fois onomatopée, mais il faut jouer Utopie. Et qui c'est qui joue Utopie ici? Pas moi. Parce que j'ai que Utopie normale, justement. Oh, mais c'est bon là, j'en ai assez. On peut arrêter. Oh! Mais j'ai pas les terrains, donc... Challenger héroïque, j'aimerais bien faire aussi. Il y a des trucs sympas avec. Mongol, là, la taupe. Ah, c'est le booster rien du tout, là. Enfin, si, ils m'ont donné deux SR, mais j'en ai rien à faire. Eh bien... L'ouverture est terminée, à moins que... Non, je déconne. C'est parce que moi, je les achète via le téléphone. Parce que oui, en fait, j'ai encore des cartes à mettre là-dedans, quoi. Sauf que je peux pas vous streamer ça. Ça, je sais pas comment streamer. Du coup, je les ferai en... j'achèterai en off. Ou je peux les acheter maintenant, hein. Je coupe Duel Link et voilà, mais non. On va faire avec ce qu'on a. Du coup, c'est une très bonne ouverture, je trouve. Franchement, je suis rincé. Comparé à d'habitude où on veut du harpie et on n'a pas du harpie. Là, on veut du Melfi. On a du Melfi, mais on a d'autres trucs. Ici, attendez, je fais vite la loterie. Je sais même pas ce qu'il y a à choper là-dedans. Ah si, une petite synchro. X6, pardon. Ah ben voilà, on a la UR de fou. Grave, sauf lorsque tu t'es fail. Oui! Imaginez ces 500 gemmes là, on pouvait choper des bons trucs. J'aurais eu le seum. Du coup, par contre, je sais pas du tout avec qui jouer Melfi. J'en sais rien. À votre avis, attendez. On va un peu aller checker les compétences. Compétences, qu'est-ce qu'on peut jouer? On va pas jouer orques. Vous êtes en état d'arrestation, qu'est-ce que ça fait? Ça rajoute plein de cartes, non? Voix du chaos. Un mec qui joue des deck beds. Bah, y'en a pas! Y'en a pas! Je pense pas qu'il y en ait. Voici ma famille, ouais, on va jouer ça, non, pas du tout.
Vision de Chichi, Bruno, vision du futur, vers le haut, vent de la rose, vengeur. Vengeur de Shark? Il y a vraiment des stats. Vas-y, volet du temps. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Tous les monstres que vous contrôlez, dont l'attaque est égale à leur défense, gagnent 300 points d'attaque jusqu'à la... Ah, ah bah, voilà, on a trouvé. Parce que les Melfi, les Xyz, elles ont 1000-1000. Voilà, on a trouvé. C'était pas compliqué, en fait. Le Xyz, oui, bah voilà, c'est lui, c'est notre... Les deux Xyz, d'ailleurs, bêtes, ont 1000-1000. Regardez-moi ce beau personnage, franchement. Mais on va pas jouer ça, on va jouer à elle. Oui, mais je vais relire la carte Melfi pour que vous compreniez qu'en fait, on s'en fout qu'elle ait 300 d'attaque ou pas. Parce que ça se dégage. Alors, Melfi. Hop, 1000-1000. Alors, si elle a 3 matériels, elle est indestructible au combat. Si elle a 4 matériels, je ne reçois pas de dommages. Si elle a 5 matériels, c'est mon adversaire qui reçoit la moitié de l'attaque. Oh, ça a été nerf! Oh non! Ça a été nerf. Comment on va jouer Melfi? Ça a été nerf. Hein? Ils ont nerf notre deck. Je les déteste. Carte liée. Waouh, la seule carte liée à Melfi, c'est ça. Oh non, il y a ça. Oh, on n'a pas eu le petit lapin. Il y a quand même 2100 de def. Qui est pas mal. C'est faux. C'est horrible. Durant votre end phase, ouais, on peut l'invoquer spécialement à la end phase, mais non. Nous, ce qu'on veut, c'est d'autres bêtes. Alors. Des bêtes, niveau 2. Hop là. Alors, où est-ce qu'il est? Le petit daim, là. Il est où? Oh, il est là. Oui, c'est vrai qu'on l'a rechopé vu qu'ils l'ont réédité. Alors, vous voyez que c'est un synthoniseur, mais on fera pas de synchro. Hein. Oh, on a que deux fois lui. Parce que le pire, c'est qu'en attendant, on peut faire lui. Tant qu'on contrôle un autre monstre bête, cette carte peut pas être détruite. Le jeton, il compte pour une bête. Donc si on peut mettre que deux monstres, clairement, on met lui. Et après, on tempo pour avoir Melfi. Alors, il y en a qui ont mis ça par contre. Fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, faire son attaque à 0. Oh, pas mal. On l'a mis une fois. Toujours ça. Par contre, il y a ça clairement. Parce que ça et ça, ça combattent ensemble. Ça nous fait 12 monstres. Il y en a qui mettent ça. Je pense que cette carte est défaussée, mais. Enfin, vu que je l'ai quand une fois, je sais pas si ça vaut le coup. Ça me ferait quand même 13 monstres. C'est chaud d'au moins tomber haut sur lui ou sur lui avec lui. Ah, je vais enlever un poney pour mettre celui-là. Alors, magie piège. Avec le nom bête. J'aurais dû la mettre en carte préférée directement. C'est une SR, c'est une SR. Karma Cut obligatoire, bien sûr. Mais là, je parlais de magie. À part la Melfi. Parce qu'il me reste quoi? 6 places. Il y a au moins 2 Karma Cut, ça c'est sûr. C'est une magie, s'il te plaît, allez. Il n'y a pas 12 000 magies. En fait, il me faudrait ça. Mais je l'ai qu'une fois. Parce que ça, c'est vraiment. Ça invoque 3 monstres bêtes de mon deck directement. C'est trop cheaté. C'est trop cheaté, t'invoques n'importe lequel là. Hop, tu fais la Melfi. Comme t'as pas invoqué normalement, tu peux encore le faire. Si en plus tu peux en rajouter deux, c'est bon. Force de la noyade peut-être. Peut-être. Bah du coup, si, comme je l'ai deux fois, c'est parfait. Hop. 1, 2. 1, 2. Et une dernière magie.
Salut, on n'a pas eu les récompenses de PVP ici? Les récompenses de PVP? Quelle récompense de PVP? Pour le reset de la saison. Celle où c'est tous les... Enfin, pendant... Tu fais 7 combats, tu reçois des trucs. Ils les mettent pas forcément le premier jour, mais c'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui. Ils les mettront sûrement plus tard. Parfois ils les mettent même plusieurs fois par mois. Je pense qu'on les aura pas tout de suite. Là ils se disent on les laisse acheter leur box tranquille, ils auront plus de gemmes, hop, on leur en met. Mais c'est vrai que après c'est vrai que je fais pas souvent attention à ça. On a même un Renaissance X6 au cas où là. La X6 se fait tuer. Non, je crois que c'est pour le PVP qui reset chaque mois. Même, je sais que par exemple pour la KC Cup, on l'a eu deux fois, enfin on l'a eu une fois pour la KC Cup et une fois pour en plein milieu de mois, du mois d'avril. Mais c'est vrai que normalement ils auraient dû le mettre. Peut-être, ils attendent peut-être demain ou après-demain. Ce qui est assez con. Ils auraient dû le mettre tout de suite. Mais bon. Alors, un PTMP quand même, hein, on sait jamais. Et la compétence qui est vague de lumière, si je me trompe pas. Vague de lumière, c'est parfait. On va tout de suite commencer, hein. Enfin, on va d'abord mettre d'autres cartes de l'extra. Des X6 niveau 2, on en a pas tellement. C'est vrai qu'il y a ce machin. Il y a ça aussi. C'est un rocher, dommage. Ce serait trop cheaté si c'était une bête. Les autres monstres que vous contrôlez. Ouais, mais non, ça n'arrivera jamais. Ça. On va mettre. On va quand même mettre un de chaque pour troller l'ennemi. Ici, on n'est pas là pour forcément gagner, même si c'est le but. On va lui donner un nom. Cog, Melfi, obligé. Par contre, Melfi, c'est comment déjà? Melfi, 2F. Voilà, Cog Melfi, c'est parti. Pour ceux qui viennent d'arriver, quand j'ai mis un follow goal, si j'avais 20 followers, je jouais Melfi Cog, sachant que ça va être très compliqué. On y est arrivé. D'ailleurs, mais en fait, pour pas mentir, même si on n'y arrivait pas, je le faisais. Et du coup, on va voir ce que ça vaut. Le Cog. C'est quoi Cog? King of Game, donc le tout en haut, le roi des jeux quoi. On veut être roi des jeux. C'est le plus haut sommet du PVP. Au-dessus, il n'y a rien. Et je pense que quand il y est, je peux même pas descendre. C'est Melfi, roi des jeux. C'est ça, c'est Melfi, roi des jeux. King of Game. Ah, bah lui, déjà, il va déjà faire. Oh, j'ai hâte de voir ça. Et à 100 000 viewers, on joue à Metal Gear. Si vous voulez, si vous me procurez Metal Gear, alors. Invoquer spécialement un monstre depuis votre deck en position de défense, face cachée. Oh merde, c'est face cachée! Oh le noob! Qu'est-ce que Serra fout en or? Non, Serra elle a quand même. Serra elle a une compétence qui bannit le cimetière. Donc il se dit, oula, il a peur de Blue Eyes. Du coup, il joue des trucs qui bannissent le cimetière. Mais par contre, il se dit, ah, mais c'est Melfi en fait. D'accord. Enfin, c'est des petites bêtes à 800 d'attaque. Qu'est-ce que je fous avec ça? Par contre, le jour où j'ai vraiment 100 000 viewers, oula. Il joue rien. Il ne joue rien. C'est pas que j'ai pas que ça à faire, hein, mec, mais moi je vais continuer de jouer. Le problème c'est que je vais continuer à jouer, mais c'est même pas que je vais l'OTK. Voilà quoi. Je dois poser mon monstre, je dois le faire tenir pendant quelques tours.
Il doit survivre 2 tours encore, hein. Il n'arrivera pas tout de suite. Et voilà, on est à 4. Je suis indestructible. Et je ne prends pas de dégâts. Ah, donc j'aurais pu le mettre en mode attaque. Attention. Que va-t-il jouer? Il va finir son tour. Tu sais que j'ai besoin que tu joues des monstres pour te tuer, mec. Enfin, génial. Obéissance programmée maintenant. Bah non, allez, ça m'énerve. Hein. Voilà. Mais du coup, tu peux vraiment gagner avec. Oui, je peux vraiment gagner. Si je tombe contre des Blue Eyes et que j'ai 5 matériels, c'est eux qui prennent les dommages de leurs attaques. Enfin, ils prennent la moitié. Donc moi, tant que tu me mets des gros monstres, je m'en fous. Là, hop, je suis déjà à 5 matériels. Lui, si les gens lisent pas les cartes, ce qui arrive très fortement la première fois que j'ai des nouvelles cartes. Regardez, il se croit fou, il a gagné 1000 PV. Il se dit, ouah, je suis trop dingue. Là, c'est lui qui va se prendre ses dommages, hein, si je l'attaque. Bah, faut que ce monstre soit en position d'attaque au milieu. Oh mon dieu. Oh non. Pas mon mur de la noyade, qui ne sert plus à rien, maintenant que j'ai un monstre indestructible. Après, malheureusement, si on me karma cut, j'ai perdu. Oh, est-ce qu'on va avoir des plays de dingue? Et puis il va dire, voilà, j'ai qu'à taper sa petite crapule là, sa petite carte de merde. Ah non, ça. Ah ben voilà, là par exemple c'est foutu. Du coup, je dois karma cut avant lui. Avant que lui me bannisse mon monstre. Parce que s'il me bannit mon monstre, il revient, il n'a plus de matériel. Donc je peux tout refaire. J'espère qu'il ne le joue pas deux fois, hein. Si je joue deux fois la X6. Bon, pour infliger plus de dommages, on va faire ça. Voilà. C'est sympa 2 minutes, mais. Encore? Non, mais monsieur, là. Faut arrêter vos conneries. Hein. Double Man, voilà. Le top monster. S'il me refait l'araignée, je perds. Du coup, mur de la noyade aurait été. Oh! C'est encore pire, monsieur. Par contre, vous avez vraiment peur de mon monstre, quoi. Un deck héros-boxeur. Non, c'est juste héros et le boxeur, il sert juste à se protéger. Ce qui sert à rien. En gros, s'il se prenait. Imaginons, il se prenait 3000 de dégâts, il pouvait juste rejouer. Mais en fait, il joue juste. Un deck X6, il met plein de monstres niveau 4. Attends monsieur, faut que je lise mon cimetière. C'est pas un Melfi, c'est pas un. En fait j'ai que le poney qui va se réinvoquer. Ouais, je vais prendre l'attaque. Je vais prendre l'attaque. Et après je vais ressusciter. Oh, mais même elle, je peux la ressusciter. Ah bah. C'est déjà ça. Oh bah, défense. Après, il faut mettre 4 matchs. Yes. Il y a moyen de revenir dans le jeu. Il y a moyen. Ouais, le problème du deck, c'est que, bah, une fois qu'on contre le petit Melfi, c'est fini. Après, s'il joue un autre monstre et qu'il a plus d'X6 trop chiante, genre l'araignée ou le loup, ça va. S'il fait une X6 et qu'il tape mon X6, hop, parfait. C'est quand même un gros problème. Ah, mais oui, mais. Ici, on n'est pas sur une chaîne où ça se passe bien. Ici, on est sur une chaîne où les matchs. Où les matchs sont horribles. Par exemple, la semaine passée. Mercredi, quand on jouait un deck où il nous fallait des magies, on ne piochait que nos monstres. Et inversement, quand il nous fallait des monstres, il nous en donnait pas. Qu'est-ce qu'il fait?
Non, j'ai pas envie. Oh, merde. Tant pis. De matériel, elle fait rien du tout. Hein. Non. De matériel, ça ne fait rien. On a perdu. Et voilà le problème, oui, c'est. On va faire ça en mieux. On a réussi quand même à l'invoquer et à lui mettre 5 matériels. C'est déjà énorme. Ah! Mais je n'ai pas perdu en plus. Sauf si Phoenixes. J'ai même pas perdu. Bah non, tu peux pas attaquer avec ton lanceur photon. J'ai rien dit. Il y a un changement de masque. C'est vraiment un deck bizarre qu'il avait là. J'ai pas tout compris. Mais bon. Si tu veux, allez, achète-moi. Je suis Serra. Serra, elle joue rien du tout. Oh mon dieu, non, il m'a renvoyé ma carte. C'est surpuissant. Voilà. Premier match Kog. C'est loin, hein. Le Kog va être très loin. Recharge, c'est vrai qu'on a gagné une compétence très bien. Vas-y, à partir du cinquième tour, mélangez toutes les cartes de votre main dans votre deck. Et il a renvoyé ton Karma Cut. Non, il a renvoyé. Il a pas renvoyé mon Karma Cut, il a renvoyé mon. C'était. J'ai oublié le nom. C'était une PTMP, voilà. Karma Cut, elle avait déjà servi. Moi, j'ai Karma Cut sans Karma Cut, par contre. Ah, d'accord, excuse-moi. Mais en vrai, je comprends pas ce qu'il jouait. Ah ouais, vraiment. En fait, il joue héros. Mec. Il y a juste ça pour le. Pour se défendre. Et ça, c'est pour faire une Xyz. Parce qu'en Xyz, il nous a vraiment sorti les pires qu'il avait. Par contre. C'est dommage d'avoir Bubbleman et aucun monstre haut pour le changement de masque. Son deck est sympa, en vrai ça va. Allez, on retente le coup. On prie pour une victoire. Au moins une victoire, ça me va. Contre My Valentine, ça me va peut-être un peu moins. Ça existe des decks héros masqués haut dans ce jeu? Oui, il y en a un. C'est Vapeur. C'est pas le meilleur, mais. Mais il aurait pu le mettre. Ouais. Bah, il y en a qu'un. Mais en vent aussi, il n'y en a qu'un, il faut mettre Jaden niveau maximum pour l'avoir. Donc, ah, je pense pas qu'Acide soit dans Duel Link. Si Acide était dans Duel Link, tout le monde serait pris plein de fois. Et du coup, il va péter mes magies pièges. Ah non, il a pas de terrain. Il a pas de terrain, ça c'est bien. Non, il est pas dans le Duel Links, voilà. Mais Vapeur n'est même pas joué. Je sais même pas ce que fait Vapeur. Gueule. Héros masqué. Vapeur. Ah, pardon, je dois peut-être faire quelque chose. Non. Oh merde, alors Vapeur, qu'est-ce qu'il fait? Bah Vapeur, il est juste indestructible par effet de carte. Donc est-ce que ça vaut la peine de faire Vapeur dans ce jeu? Non mais par contre là non. Non, s'il vous plaît. À moins que là, elle active son effet. Du coup, elle va me renvoyer mon monstre. Et moi, je vais bannir. Parce que, bah, bien sûr.
Il avait fusion miraculeuse, le. Ouais, j'avoue que. Fusion miraculeuse, ça casse un peu la tête. Et du coup, il pétait quoi avec ça? Ah, il voulait péter mon karma. Allez, bon. Mais en même temps, fusion miraculeuse, c'est pas chaud à faire. Si on s'arrête à invoquer un. Ah, c'est dur, on a une phase que je peux l'invoquer SP. Comment ça? Je rappelle que notre but, c'est d'avoir au moins deux monstres. Non, on va pas l'invoquer SP maintenant. Et je te fais peur, t'inquiète. Ah non, ça va. À la fin du tour, il récupérera une carte. Et il va juste taper, c'est ce qu'on veut. Ouais, vas-y. Hop. Hop. Notre meilleure défense, c'est 1600. T'as terminé ton tour? Oui, tu vas choper des cartes, mais nous, on va te. Je suis un grand fan de deck héros, mais c'est horrible à faire dans ce jeu. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup héros et c'est pas facile. Parce que, bah déjà, ce que j'aime pas, c'est qu'il y a masqué, vision, destinée. Et ça coûte un bras. Ça c'est chiant, ça coûte un bras, par contre. Vraiment. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre de votre. Ah, je dois contrôler un autre monstre. On a un monstre bête. On va faire ça. On va faire ça. Oh non, monsieur, s'il vous plaît. Des decks héros, moi quand j'ai commencé le jeu, j'ai joué ça. Ouais, bah je vais l'invoquer ce truc. J'ai joué deck héros, mais héros de la destinée, quand ils avaient sorti le deck de structure. Et c'était sympa. J'avais de la chance d'avoir mes deux héros masqués en qui. J'étais content. Poney Melfi, ça fait quoi sur. Vous pouvez renvoyer cette carte à main, puis vous pouvez ajouter un monstre bête. Si je dis oui. Ça sert à rien, mais. En vrai, on a encore perdu parce que le deck est nul. Voilà. Faut que je retravaille le deck. Il est horrible. Il est horrible. J'ai perdu. Allez, déglingue-moi. On va jouer autre chose pour le moment. Faudrait que je teste. Je teste des. Pas des mains, mais. Que je teste d'autres versions du deck Melfi. Mais on va faire Melfi, ça c'est obligé. Bah maintenant que j'ai dit que c'était un défi, on va le faire. Mais il faut que je l'améliore. Parce que là, il faut que je vois les bonnes cartes. Et celles qui sont nulles à chier. On va voir ce qu'on peut faire d'autre avec ce qu'on a eu aujourd'hui. Dans l'ouverture. Alors. Hop, hop, hop. Je sais ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je tente le diable. Par contre, c'est Yugi que je veux. Yugi. Hop. Et tu joues quoi du coup? Donc je revois le nom. Eliane Zegamerdu. Eliane Zegamerdu. Eliane, je vais juste dire Eliane. Tu joues quoi actuellement sur Duel Link? Je cherchais le changeur de carte, mais il est juste là. On tente, comme toujours, on tente la pioche de la destinée, on la tente. Est-ce que je vais l'avoir ou pas? Joue un deck magicienne.
Ah, avec, je suppose, le magicien quintette. Non, je le tente pas. Ou... Non, je l'aurais pas. Mais je vais le tenter quand même parce que j'utilise jamais les pièces. Avec le... Bah bien sûr, hein. Le cancer des magicianos. Maître des magiciens, bah parfait. Tente-le, mais tu l'auras pas. Eh ben, tu es devin. Tu es devin, Understormy. Je te déteste. Bah du coup, on va pas jouer avec cette compétence, quoi. Il est où le Joey? Il est où le Joey? Le Joey. Le Joey que je préfère, bien sûr. Il est là, regardez. Cran, cran, rien du tout, rien du tout. Je ne joue que cran avec Joey. Et c'est cran Luna Light? Oui. Voilà à quoi ressemblait Luna Light avant. Mais maintenant, ça ressemble à rien. Alors, point de feu, où êtes-vous les points de feu? Le tuto Luna Light, ça fait plaisir. Ça bloque une magie, mais on va pas jouer. On va continuer à jouer Luna Light du coup. Voilà. 1, 2, 3, on met une fois là. Mais non, j'ai déjà mis les monstres. Luna Light. Dans la banlieue, c'est 3-3. Donc je préfère. Comme ça. Comme ça. La lapine, elle est où? Elle est où la lapine? 1, 2, 3. Plus 3 Kuribo, enfin un Kuribo comme ça, deux comme ça. Okay. Donc, calcul des dommages, vous pouvez défausser cette carte. Ouais, il manque 3 places. Je vais rajouter elle une fois. Tu as vite. Non, j'ai pas dit que j'abandonnais Melfi. Aujourd'hui, on fait des deck building Melfi. Je vais l'arranger pour les prochains lives. Je l'arrange pour les prochains lives. Melfi n'est pas abandonné. Melfi, il est. Vous ne l'auriez pas, attendez. Que je reviens. Il est là, Melfi. On l'abandonne pas. Melfi, on va le power up. Super. Il faut que je remette la caméra. Parfait. On n'abandonne pas Melfi. Melfi. Déjà, Melfi est sorti dans une box, donc on va pas l'abandonner si vite. Mais je voulais voir si ça marchait vraiment bien. On abandonne Melfi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, hein? Par contre, pourquoi j'ai mis que deux Kuribos alors que c'est trois? Et je vais mettre ça une fois. Parce que ça, c'est horrible. Faut pas venir que pour voir du Melfi ici. Faut venir pour voir des gens perdre. Perd contre des decks genre Magicien Quintette. Le deck bien horrible. Ah oui, d'accord, ouais. Ah, mais. Oh, j'aurais pu. Lui, c'est une normale, j'ai eu une fois, quoi. Rareté, rien. Pas tenu, une seule fois. Extra deck. Préféré. Qu'est-ce qu'il est? L'araignée, elle est là. Du coup, on va tenter. On fait du deck building aujourd'hui. C'est dans le titre, hein. Deck building. Et ensuite, les prochains jours, car je ferai un planning. Ouais, je vais enfin faire un planning, histoire de savoir ce que je fais. Donc à partir de la semaine prochaine, je reçois mon boîtier d'acquisition. Faut que je vois s'il fonctionne bien, hein, parce que bon, je l'ai pris sur Amazon, donc c'est. J'ai pas pris le plus cher du marché. J'ai pris le moins cher du marché pour voir. Mais je me suis un peu renseigné dessus avant, ça a l'air d'être pas mal. C'est pas le top, mais c'est pas mal. Donc on fera peut-être enfin d'autres jeux. Enfin, je ferai peut-être enfin d'autres jeux. Parce que bon, j'ai quand même des consoles qui. À la base, je voulais streamer sur console. Au final, voilà, je suis toujours seul.
Parce que bon, comme je dis, j'ai reçu bouclier épée, j'ai reçu Pokémon épée, j'aimerais bien jouer, mais est-ce que je le fais en live ou est-ce que vous seriez partant pour suivre l'aventure Pokémon épée? Ou est-ce que je joue de mon côté parce que peut-être que ma façon de jouer à Pokémon, elle plaira moins, parce que moi j'aime bien rester dans une zone, enfin en tout cas au début du jeu, exprimer mon premier Pokémon jusqu'au niveau 10, avant d'aller dans la première ville après avoir reçu le Pokémon, quoi. J'aime bien traîner comme ça. Ça, je ne sais pas si ça plaît. Tu as la Wii. J'ai pas la Wii, non, j'ai la Switch. J'ai la Wii, sinon, c'est vrai que j'ai une Wii. Mais j'ai perdu le Nunchuk. Tous les jeux qui me restent, on a besoin du Nunchuk. Mais oui, j'ai une Wii, sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Wii, s'il te plaît? Tu peux m'apprendre des choses. Il y a un jeu Masterclass Pokémon sur Wii. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Poképark? Poképark? Qu'est-ce que c'est que ça? Poképark. Je vais me renseigner là-dessus. Après, c'est peut-être la nostalgie. Ah, oui, peut-être. Regardez-le, j'avais 7-8 ans. 7-8 ans. Poképark, je... C'est quoi, après le duel, on va aller regarder ce que c'est. Si je l'invoque spé... Si je l'invoque spé, il me l'a banni. Et cette carte, c'est... Cette carte est dans votre main au cimetière possible. Non, c'est pas ça. Oh, le duel nul que j'ai fait. Dis-nous, tu n'as pas su faire Magie 5 à la tête, et lui, il t'a explosé. On t'écoute. Débrief ici, qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Heureusement, j'ai quand même fini par invoquer mon magie. Ben voilà, ils arrivent toujours à leur faire, leur magicien. Le but, c'est d'envoyer elle au cimetière pour aller tuto la magie. Peu importe ce qui ban, parce que clairement c'est le ban, c'est le truc qui ban. Parce qu'il a pas été le chercher. J'ai pas vu s'il activait sa compétence. Si, il a activé Photon Galactique. Ok. J'ai fait nain, je me suis gouré de boutons. Mais tu jouais contre quoi déjà? C'est quoi faire n'importe quoi pour un deck qui a juste besoin d'avoir 5 magiciens de cimetière? Je sais que c'est pas le but du deck. Tu peux gagner autrement, mais. C'est comme ça que je vois mes adversaires. Ah, des magiciennes! Oh, bizarrement, je pense qu'il veut avoir juste 5 magiciennes au cimetière. Allez, on sait que tu vas me le bannir. C'est cher le bannissement, mais voilà. En main, donc autant prendre celle que j'ai dans la main. Je vais prendre elle. Attends. Bah, un exemple, j'ai la magicienne du citron. J'invoque la chocolat et au lieu d'utiliser son effet, j'utilise celui de la magicienne du citron. Le colère de base, quoi. Et ouais. Tant mieux. Mais bon, t'as quand même gagné. Enfin, je suppose, vu que t'as invoqué ton magicien. Horrible. C'est quand même la win. Normalement, je le passe. Passe tour, c'est pas maintenant, mais. Ah, ça joue pré-banlist, honteux. Non, post-banlist. Attention, on est post-banlist ici. On ne joue qu'une fois elle et deux fois la renard. Attention, on l'accuse pas ici sans connaître. Azula, on est poste ici. On est tellement mauvais que ce soit poste ou pré que voilà.
tiens, j'espère qu'elle me répondra à vous, moi, dites-le. Bah attends, on peut le faire en plus. Ah, ça fait plaisir. Et ici, on prévoit à l'avance. On sait pourquoi ça a été limité, de toute façon. Ça a été limité parce que ça, ce serait encore plus fort. Mais du coup, il reste bien le deck lunaire de banni. Bah, c'est le premier match qu'on fait avec. Mais je pense qu'il restera bien. Parce que, comme je disais la semaine, enfin, mercredi, le fait d'avoir ça et trois fois ça, trois fois ça, trop cheaté. Pouvoir avoir six fois le même monstre. Parce que c'est comme si on avait six fois ça, six fois ça. C'est trop. Ça, c'est la fusion assurée. En légende, il n'y a que des lunettes pré-ban avec 31 keys. C'est l'horreur. Oh merde. Sachant que nous, notre but, c'est quand même de jouer Melfi Cog. On va se faire éclater. Quoique, s'il met nos monstres à zéro et qu'on a 5 matériels, il y a moyen. Mais j'avoue que en pré-ban, bah voilà, ça prouve que c'est l'horreur, hein. Ils ont bien fait de limiter en fait. Parce qu'au début, j'ai réagi comme tout le monde, en mode, oh mais Lunalek, il a rien fait, laissez-le. Il a juste 1 milliard de cartes qui sont protégées. Mais non, j'avais zappé qu'il y avait une carte qui s'appelait Tanky qui sortait aussi. Il y a un mec qui a fait top tier hier avec Lunalite pré-banlist. Mais bon, ou post-banlist. Melfi? Je peux avoir la decklist? Est-ce que je peux voir la decklist? Parce que. Oh, je veux voir la decklist. Non, mais tu me passeras pas, mec. Ah, si, quand même. Si tu as un lien, tu peux le mettre ici. Je serais ravi de voir ça. Je te l'envoie, je la joue. Oh! Mais je suppose qu'il faut, par exemple, trois fois obéissance, quelque chose. Qui est une carte que malheureusement je n'ai qu'une fois. Donc ça m'embête un peu. Parce que je vois bien des conseils pour Melfi, parce que j'ai quand même le défi à faire qui est de le mettre en cog. Oui, elle est chère. Bah j'avoue que c'est pas du tout free to play. Bah je ne joue pas free to play donc. Enfin pas 100%. Je suis Mimi. Si t'avais pas gaspillé tes cristaux, tu l'aurais. Mais cristaux? Quel cristaux? Les gars, je vous ai dit que je peux encore mettre avec ça. Non mais c'est la carte qui manque, elle est dans une autre box. C'est ça le problème. Les 500 en décarpie, non mais ça c'est juste moi et mon misplay, et mes misplays légendaires. Commencez à être habitué. Ah, je vais prendre elle. Merde, c'est deux monstres. Oh, ouais, je fais n'importe quoi. Le pouvoir de l'argent, bah ouais. C'est ça. Hein. J'ai fait n'importe quoi. Je suis allé chercher un seul monstre. Le deuxième, c'est pas le bon. J'aurais dû aller. Voilà. Pouvoir de l'argent. Moi, je mets de l'argent dans le jeu. J'en mets plus dans le vrai Yu-Gi-Oh! J'en mets dans le Link. Qu'est-ce que je vais pouvoir reborn? Ok. En fait, il y a moyen que je gagne. Si je me dépêche. T'as pas de pouvoir. Non, mais j'ai de l'argent. Oui, on se dépêche, allez. On a gagné en fait. Hein. Je réalise qu'on a gagné. Si on se dépêche. Allez, oh le temps il me stresse, il apparaît. Oui, un petit fond d'effet, on s'en fout. Et c'est le win sur la fin. Qui frappe? Le pouvoir de l'argent, c'est ça. Ici, on n'a pas d'argent. Enfin, on n'a pas de pouvoir. Mais on a un peu d'argent. J'ai fini le combat avec le magicien des baies, full charisme. Bah, comme moi, je viens de finir Moi, je viens de finir le combat avec un lapin. C'est full charisme aussi. Hein. C'était déjà, vous voyez?
gagner qu'un lapin, sachant que Melfi, c'est presque un lapin, c'est le début des bonnes nouvelles. Faut gagner avec les pires monstres du deck. Par contre, il me l'a sorti deux fois. Moi, je l'ai pas encore deux fois. Oh, cette decklist. Oh. C'est le début. Mais après, Azula, pardon, va nous montrer sa decklist Melfi, qui va être incroyable, hein. Enfin, on le sait déjà. Mais non, oh, c'est le mauvais écran. Contre un Mako Tsunami. Il y a 6 mois, ça me faisait peur, les Mako Tsunami, mais là. Que ça joue. Ah, vous voyez? La malédiction recommence. Plein de cartes fusion, mais pas de monstres pour faire la fusion. Du coup, bah. On va attendre. Attendez, j'ai reçu un message de. Justement. Vous voyez, pose pré-banlist. Oh la belle main. Un petit message. Ah, on peut pas envoyer d'image. Attendez. Azula, viens. Je vais te donner le Discord. Tu peux l'envoyer sur le Discord. J'ai un channel deck profile. Je vais te le mettre. Discord. Voilà. Ah oui, j'ai mis un i au lieu d'un point d'exclamation. Le boss. Le boss ici présent. Hop là. Ce sera mieux comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va pas jouer de... On va pas jouer. On va garder Kuribo, on va essayer Kuribo pour se défendre. Tu peux rejoindre le Discord pour envoyer la decklist. Parfait. Ah, en plus, c'est vraiment Azula comme je pensais, donc dans Avatar. Ça, c'est un vrai, ça. Princesse Azula de la Nation du Feu. Il a des refs à Avatar. C'est parfait. Oh, s'il te plaît, oh, il me l'a mis en message privé. C'est tant qu'on veut. Ok, ah oui. Ah oui, d'accord. Je vois la decklist. Je vois la decklist. Effectivement, c'est pas du tout free to play. C'est pas du tout comme je voyais le deck. Après, je peux toujours. En fait, clairement, s'il faut investir là-dedans, si je jouais Melfi. Par contre, il le joue avec Odion pour avoir plein de pièges. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, mais ouais, mais du coup, ça joue plein de cartes pour défausser aussi. Non, mais regardez-moi ça! On fait quoi avec ça? On fait quoi avec cette main? En gros, Pony, tu vois, il va perdre par perte de temps, c'est débile. Si tu parles de moi, je vais pas perdre avec le temps, non. Là, je vais perdre avec ma main. Pony... C'est vrai que Pony recycle, et ça, j'ai tendance à l'oublier. On se fait chier. On s'ennuie dans ce duel, hein. On fait rien, on peut rien faire de toute façon. Après, s'il fait une X6, vu qu'il a deux monstres niveau 4. Moi, ça me fait un matériel fusion, je prends. Sauf si je pioche que une magie. Si je pioche une magie, j'abandonne. Le boss du deck, c'est Unicorn. Et je n'ai pas Unicorn, malheureusement. Faut que je retrouve là l'image. Moi, je n'ai pas Unicorn. En fait, moi, je voulais vraiment me concentrer sur du pur Melfi à la zone, quoi. Pourquoi ce deck il a. En fait il joue que les gros monstres. Bah du coup on va manger ça quoi. Hop, ça revient. Je peux faire une fusion. Là ils vont être dégoûtés. J'espère. On va juste en pot pendant 1000 tours. Et avoir toutes les cartes qu'il nous faut. Oui, si tu veux. Ah.
Comme ça, on a moins de magie, ça fait plus de monstres à piocher. Et comme elle est indestructible au combat, on va pouvoir attendre pendant 1 milliard d'années. Du coup, donc dans le deck, la decklist Melfi Unicorn, je sais même plus ce qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'elle est insane. Petit Pomko, raton laveur, lui, je sais qu'il est indestructible. L'autre niveau 2 aussi, Melfi, bah, c'est pour le fun de mettre 5 matériels. Et le zombie, trop bien. Eh merde. Eh merde. J'ai perdu. Allez. C'est l'abandon, j'en ai marre. Je me suis fait défoncer par Cyrus, la honte. C'est Speedroid au moins, son Cyrus. Parce que si c'est pas Speedroid, la honte totale. Et du coup, c'était quoi son deck? C'était vraiment genre, oui, je joue que des gros monstres, comme ça il baisse de puissance. Plus ou moins, et. Oh, horrible. Je vais regarder ce que j'ai déjà pour ce Melfi. Yeux bleus. Bah non, c'est yeux bleus. Seigneur Lumière. Cyrus Seigneur Lumière. Cyrus Seigneur Lumière. Logique. C'est logique, hein. Ça a apparu dans le même anime, dans la même série, je veux dire. Les Seigneurs Lumière sont apparus. Voilà, sont apparus pendant GX. Du coup, tu peux jouer ça. Pourquoi je fais ça? Moi, je les ai déjà tous. Et ouais, attendez. Peut-être qu'ils ont mis une version Melfi à jouer là. Ce serait marrant. Encore plus marrant si. Point du feu et miroir des rêves. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trap. Trap, vous pensez que ça va être trop fort? Ou c'est juste nul? Et point du feu, c'est quoi? Point du feu. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Niveau 3, niveau 4, niveau 4. Parce que lui, on l'a eu. Lui, on peut le mettre dans. On peut le mettre dans. J'ai mal à mon moi. Est-ce qu'il t'a sorti aussi un magicien quintette? Parce que point de feu, point de feu. Est-ce qu'ils ont assez de cartes pour le faire dans en magicien, non? Bon, en fait, il nous parle que de deux decks. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme deck, comme carte qui booste les decks? Dans la box. Ah non, c'est Gouki que je joue avec Cran. Horrible. Dans la nouvelle. Ah oui, il y a cheval. C'est Challenger Héroïque que je voulais voir aussi. Même si bon, j'ai pas eu celui-là. J'ai eu celui-là. Et je n'ai pas eu la. Elle, je l'ai pas eu. Par contre, il y en a un qui est trop bien. Lorsque c'est invoqué normalement, pour invoquer spécialement un monstre. Un monstre de type guerrier. Même ce deck-là, il est boosté. Vous vous rendez compte? Alors qu'il n'était pas spécialement joué. Non. Ah, est-ce que ça joue avec duplication de niveau du coup? Si vous contrôlez un monstre, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au cimetière. Le reste de ce tour, vous ne recevez aucun dommage de combat. Montrez papa des trous combat. Sympa. Sympa, sympa. On s'en fout. Lui, en fait, j'ai pas beaucoup de 4 étoiles. On n'a pas trop le choix. Après, il demande des monstres de type guerrier. Du coup, guerrier niveau 4. Guerrier niveau 4. Où sont les guerriers? Où sont les niveaux 4? Parce que bon, il y a aussi ça. C'est tout.
Ça. Lorsqu'un monstre guerrier. Hop, hop, hop. Du coup, on invoque normalement lui. On va en enlever un comme ça. Comme ça. Lui, non, il invoque aussi du cimetière. Du coup, on peut faire Karma Cut. En magie. Donc, ça. Je peux me mettre ça. Quoi que ça vend du coup. Voilà. Ah, il m'a même envoyé une vidéo du. Ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Pourquoi ça ne peut pas? Ça bug. Message privé. Ah voilà. Ok. Ah ben écoutez, petit aparté. Pause. On va regarder le match. On va regarder le match. Est-ce que. Allez. Discord, je le sur PC. 1h34, on va voir Melfi ce que Melfi peut faire en full puissance. Un truc qu'on fera peut-être jamais. Puisqu'on l'aura peut-être jamais en full puissance. Si Discord veut bien s'ouvrir sur le PC, ça a pas l'air d'être le cas. Melfi, Melfi, Melfi. Hop, Azula. Ah bah on va aller la trouver sur YouTube. Hop. Hop, c'est parti. Melfi en action. L'image est dégueulasse. Melfi as a Il rigole déjà Melfi. Ouais. On n'est pas content. C'est parti. It is, Est-ce but que Melfi sait I'd say encore watch more of the tournament. que la qualité par contre ça existe? Check out what's going on. Ah mais on voit rien. On voit rien du tout. Turn up the quality. Ah merci. S'il te plaît. We get to watch Novo. Okay, yeah, I have to play so Novo defensive Mortis penalty. is actually Make an playing the aggressive play through Unicorn in a control baseball deck. bat at the moment. So this is going to be really C'est sweet. parti, on va voir la puissance de Melfi. DM is going to take his turn. That On va makes couper le up for son. the 2-0. On va avancer quand il n'y a rien. Hop, hop. Donc en face, c'est contre requin. Je vais ouvrir le chat aussi, ça serait bien. Parce que du coup, je ne le vois plus sur PC. Hop, allez, c'est parti. Ça réfléchit. Ah, bah lui aussi. Oh, mais ça va faire trop de box différence. Ouais. Ça pète, il est actif. Ah, ouais. Pas d'effet dans le cimetière, du coup. Ok. On va mettre en plus petit parce que ça réfléchit la box poubelle. La box poubelle, est-ce que tu parlerais pas de la box avec Melfi? J'ai oublié tous les autres archétypes. Tu trouves que c'est une box poubelle? Badias? Je suis pas. Ouais, je suis pas d'accord, non. Parce que j'aime bien un point de feu. Donc je trouve pas que c'est une box poubelle. Si vous voulez bien s'afficher. Non, il ne veut pas. Ok. En tout cas, c'est un deck qui fait réfléchir. Nécrovalet et Dweller, ça gêne vraiment le deck. J'avoue. Pony, c'est un Vox P. Ouais.
Poney, poney. Ah, livre de la lune, ok. Du coup, il rejoue cette merde. Oh, punaise. Ça, c'est horrible, vraiment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, on nous montre en fait un Melfi qui a fait top 16. Donc celui qui est en dessous là, il a fait top 16 avec Melfi. Chaque fois que Pauline est invoqué, ils sont bien sourds, on va pas écouter ça. Il refait Abyss, oh punaise. Control Yeah, turn. why wouldn't you summon Marksman from the deck? Kawaii. Book a moon Okay, on he's the gonna attack ponies, directly. bro. Si tu me le montres, c'est qu'il est. J'espère qu'il gagne Okay. quand même. Novo Il me technically montre had pas un jeu où il obedience. fait Maybe he rect. didn't have a marksman in the deck. Top deck obedience school Very one little time. chance with a vibe dweller. Ah oui, il y a Obedience Cool. Ah, I thought that was going to be it. Passe-moi-là quand même, s'il te plaît. Hopefully it's a karma cut and Est-ce you que tu m'as discard a menti? fabled. Et que c'est un deck nul qu'on est en train de Okay. voir? In the end phase, he'll summon another Melfi C'est un pony. truc de pute. Let's go. Melfi pony, look at the Ah Melfi oui, pony. d'accord. Pet the pony. Look at him go. Oh, Love the pony. il refait l'effet, du coup. Oh, le Heavy pauvre. Infantry gonna pop a pony, but I mean, it was there. Look at it. Look at Mais. it. It's cute. Yeah. Look how cute it Le deck est trop is. fort en fait, That's t'as raison. really the. Tu m'as menti. Tu m'as menti. Il perd 1, il perd la manche 1. C'est vrai que c'est. Turn to DM The will appeal. trade vrai que c'est le game tournoi, one du is coup c'est just a en. monster that En deux manches. say a pop ring light back. But What's at the bottom map? Was so funny, Allez, la deuxième. but pump a bit worse. That's Là, il not a compris, ideal. il a TM sidé, il 123, let's see if he faut que opens the je Deep gère Sea Diva, because Abyss Dweller is very son strong against this Abyss deck. Hey, if they open Deep Sea Après, Diva, we Nécrovallée, sûrement gotta joué. open the Obedience Ça va School. sûrement être joué à cause de tout ce des You're gonna qu'il y summon a heavy dedans. infantry. We might not have an Abyss Dweller turn one. There's a chance. So There is Novo literally Mortis a chance is known as that if that isn't the Abyss fabled Dweller unicorn turn one, we goes. are gonna Ah ouais, special on summon entend ça. a hex Fenny goes one with as Caddy, well. that's true, but we're not Terrasaur running Berserk can Caddy. become all So like level in a 40 with low vacuum, rank four Pony is just XPs. better. Plus Sure, Caddy il you parle can sur add l'autre. Hopper Squadron, Make which hope Moi je parle, ça c'est une special réaction, summon une the réaction, une about these réaction. two things. C'est No, très he is beau. gonna make the Abyss Dweller. Pass the turn to Voleur, Novo bien Mortis. sûr. We have five cards in hand. Maybe there's something in the side deck for. We're gonna normal summon Normal Twilight summon the Ryko, Ryko, one the fighter. Twilight Ryko. Ryko will activate, pitching Pourrier a le gentil. Ryko from the hand to banish Ouais, the gentil Dweller. méchant. Y a pas de cimetière? Well, Mais technically, bon. he doesn't have to choose what he C'est targets. jamais, He c'est will vrai. activate Atlantean heavy Oh. infantry. Mais non, j'oublie que Mm-hmm. son Rank will infanterie a reset l'esprit. at about 4 p.m. PST, which is about 7 p.m. C'est vraiment EST, horrible which en is fait about ça. 6 hours from Quoi? now. Does not target Dweller is banished heavy Dark infantry Ruler. will be That would be funny. destroying the Twilight Sworn Ryko. Non, ok. Yo, Dark Ruler, We normal are gonna summon set Ryko, one. that would actually be pretty cool. But at least the Faut Dweller que is faudrait que off j'en the lise les field. cartes. Yeah. Melfi Pony the end phase, yes! Activating Melfi Pony, look at the Melfi Pony in the end You phase. get to add back the summoning. Ryko. C'est vrai que c'est son ambiance, hein. Dès qu'il y a un poney. It's a Melfi Pony. It really is. He'd just be out here looking like a cute little pony. Plox, hover over the pony. Melfi Pony. What are you doing? If your opponent normal summons anything, it goes back to the hand, but like, look at the Melfi Pony. Why are we looking at heavy infantry? C'est we bon, know what this card pour looks pour like. Box, ah bon? Hover over the pony. Parfait Come on, pour moi, Plox. attendez. Looks Jeez, like bon. gonna Ah bon? Hover over the pony. Parfait. Oui, c'est vrai que j'ai un son dégueu. Mais en fait, j'ai pas de He needs another water monster. He did not Bon, find ça it, joue peut-être. but he No does other have the waters. awakening attack Mais pourquoi spot. It's good. il ça s'affiche pas? Attends. Le cheval. En fait, je n'ai pas de micro encore. Avant, j'utilisais un casque, mais il me fait trop mal. Il me faisait trop mal quand je le gardais trop longtemps. Et normalement, ma webcam a un micro, mais aujourd'hui, cette webcam-là ne fonctionnait pas bien. Elle arrêtait pas de flouter. Du coup, j'ai pris la vieille webcam pourrie qui a un micro pourri. Donc aujourd'hui, ça va être compliqué. Twitchception. Ah, j'adore. Tout le monde est d'accord, hein. Quand il voit ça, il pense qu'à un seul film. Film que je rappelle, je n'ai pas vu. Voilà. Hop. I Vous pouvez wouldn't m'insulter attack dans les with attack commentaires. squad if I were you. Dans Okay, les he's commentaires, attacking dans with le chat. attack squad. Je n'ai pas vu Inception.
On voit ça là. So why are people still running Inception, ça n'en finit pas. Je vous le remets. Je n'ai pas vu Interstellar non plus. Insultez-moi toujours. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant que je me faisais insulter? Ça a imposé deux, c'est tout? Ouais, ça a imposé deux. Ça attaque le poney. Here. Hollow Life Bearer, pitch a fabled. Oh, there it is. Oh, pitching fabled Cerberus. Va me détruire. En fait, c'est vrai, il faudrait jouer ça dans. Okay, this is actually really big. C'est ça le problème qu'on a. Next turn, you can normal summon the Raikou. Okay, I like where this is going. Fabled Cerberus activates, special summons itself. It can't be destroyed because Hollow Life Bearer. Du coup, je vais faire comme ça. Attendez. That's a big move. He has the fabled unicorn on the crackback. Let's hope that backer doesn't do much. From damage and destruction on this turn. So it's cool about fabled unicorn. If you don't know what it does, if you control the same number of cards in your hand as your opponent, then you get to just negate everything. So if you have one card in your hand, your opponent has zero. You activate that card in your hand, your opponent chains something. That automatically is negated. Voilà. It's just ça, live whenever it happens. Let's say you have one card in your hand, your opponent has zero. Your opponent activates a card targeting unicorn. You chain lands or something. All of a sudden, chain resolves your opponent's cards are negated. Et je vois que vous voyez toujours bien l'écran. Just because, like, it happens immediately once Melfi. So maybe he activates Raikou here. Just because he wants to keep his hand pretty close to his opponent's. No way to remove the Melfi pony from the hand, I don't think. He is not. So maybe it's a back row that he can set? Going to make the fabled unicorn. C'est vraiment un DD qui est plus axé contre l'économie du jeu. Canadia. Oh, he's a Canadia. Unless there's a way to remove two cards from the hand in the ninth phase, that is not going to be stopping him. Par contre, elle fait quoi? Licorne déjà? Est-ce qu'on la voit, la licorne? There it is. Back to the right hand. Oui. Juste voir l'effet de la licorne. Si il clique dessus, j'espère que ça clique dessus. The back row that is. That is not non, non, ça clique pas dessus. Melfi pony, well, pony in the end phase. We'll special summon it to the field. Look at the Melfi pony. It's not looking good for our hero. We are gonna special summon Melfi pony in the end phase. C'est vrai que. Moi je voulais jouer pour le fun de juste avoir un monstre. Qui renvoie les dommages. Je pensais pas plus loin que ça, c'est parce que je summon squad je voulais with couvrir, je you just got a pony. Yeah. Oh, that's right. You have to summon it. On va peut-être plus réfléchir au deck pour qu'il soit vraiment ambitieux. Le nombre de cartes que tu as sur le compte. Attends, y a pas de. Okay, good thing he did top deck a water. We're still in this. Pas mal en fait. He didn't want to activate the pony. Interesting. Mais unicorn, ouais, unicorn. On a pas bientôt des tickets. This deck just doesn't seem strong at all. Des tickets. It's cool. De rêve. The turn there. Bro, this deck pas doesn't un look good. Comme quoi il y aurait des tickets à un moment. The pony will keep bouncing back to hand if it's attacked, or if your opponent. J'ai vu un lit comme quoi on aurait des tickets de rêve. I think when Melfi pony bounces like itself, mon prochain. You get a beast with it. It brings it just a takes to the match donc. To make it good. You know what I mean? Hmm. We're gonna set one. J'irai peut-être me chercher like, I think des baby licornes back is more so the way we're to go. We're gonna swing into the pony. Melfi pony will activate. En mai, pardon. Bah, en mai, c'est ce mois-ci. Fin mai, je suppose. Ils vont pas mettre ça de lundi. If you don't know, Necroz of Unicorn is actually based off of the fabled Unicorn. The more you know. En mai, c'est pas mal. Du coup, peut-être so que. He's still just not protecting the waters, which is nice for our fabled hero. Oui, on est en mai, bien sûr. Oui, mais c'est parce que. Hier, on était encore le 30. On est en mai, mais un samedi. Right, top deck obedience. Au premier jour, c'est un mois, c'est un samedi. Tout part of the cards. I draw. Fin mai. Ok, fin mai. Bah, si fin mai, on a vraiment ça. Yes! Let's go! On va pouvoir aller chercher les cartes qui nous manquent. Genre ça, on pourrait aller chercher justement l'obéissance. Ou la licorne. Let's go! Enfin, la meilleure carte, c'est ça quoi. Oh, this is it. This is the end. This is the end of the duel. Oh, this is awesome. We are gonna summon du coup, another Melfi pony. Oh. Canadia? That's Canadia. Fine. How are we gonna Canadia the Cerberus?
That would be the best move. He's fabled Cerberus. We're gonna go for the tuner. Mais j'avoue que quand la seule carte que t'attends c'est ça. C'est chaud. That's okay. We can overlay these two into Ronin Raccoon. Oh, he has the ability to make a rank too. I better think of something quick. Ronin Raccoon. J'avoue, le mec, il est content. He is going to go for it. Pas ce point, number 64. J'aurais été heureux comme tout. It is gonna be Melfi Mommy. C'est la petite Melfi. Okay, that's hype too. That's hype too. Du coup, elle va être indestructible. So what's neat about Melfi Mommy is it actually decreases your hand size so that it can help. Le gars, il a tout. Le gars en face, c'est vraiment le genre d'adversaire qui me fait rager. Après, c'est un tournoi, donc t'essayes de vraiment prendre que tu joues mieux. You can attach beasts from your hand or field to it as material. I think. On n'est pas du tout au même niveau. It's gonna attach material from its hand. Voilà, là il a, maintenant il est indestructible. Bah, le fait qu'il ait quand même eu le temps de rajouter un matériel, c'est bien parce que. So your opponent actually isn't able to destroy it by battle right now. So il va revenir. It's at least il peut le remettre en. Stop it, Blue. Stop that right now. C'est pas un trapdan, donc ça va. Mais ouais, je vois un peu le deck. Melfi Mommy, when it has 3 material, you cannot be destroyed by battle. It also has 1800 defense. Let's go, Novo. I believe in you. Okay, he does finally top deck a water monster. Final, ce live devient on regarde Melfi être so joué. Atlantean marksman. On the normal summon, we're gonna get Melfi Pony's effect, bounce it back to the hand. Pony, let's go. Let's Marksman go. Will now destroy. We're Raigeki break. As well, yes, discarding the Cerberus. Yo, he's going to make Unicorn no matter what next turn. Une carte face au Raigeki, ça jamais été dit que ça perdait le matériel. That is unfortunate. That's a good lance. Bon, ça l'était peut-être. Okay, we're still good. We're still good. Now the marksman is safe. We'll get a Raikou back. Adding the Raikou. Okay. Pony specializes himself in the end phase. Regardless, you are going to summon a Cerberus. Il peut quand même pas passer. It's only in the end phase of your turn. Heureusement pour nous. Malheureusement pour lui. Forbidden lands self protect the marksman. On est tous pour Melfi, là, clairement. That is face down, even though it cannot be. Celui qui n'est pas pour Melfi, c'est trompé. Whoa, wait, it makes your Canadias level 4? Oh, that's insane. I think we didn't use the marksman. That's actually insane. Encore. No, we did use the marksman. Okay. I didn't realize that. I thought it was like aqua monsters. C'est insane. Comme disent les jeunes. Ils disent pas ça. En plus, je dis ça comme si j'étais un vieux boomer. Bon, pas du tout. Novo's good to go, bro. You can't destroy the Melfi Mommy. At least by battle. Allez, hop. Parce qu'après il va être à 4 matériels. Du coup il prendra pas le dommage. I mean, it makes Paleo Frogs make totally awesome in the TCG. But that's rank 2. I didn't know that. Bon, il peut juste empêcher les effets du cimetière. That's kind of crazy. Why don't more water players play Canadia then? If you just get that extra synergy. Il fait quoi lui le... no! Quoi? Oh merde. Oh, je pleure là, non vraiment. C'est quoi tous ces rebondissements de duel? Tu me fais quoi, Azula? Tu me fais espérer des choses. Je sais qu'elles vont arriver parce que tu m'as dit qu'il avait gagné donc. En plus, il ne jouait qu'une fois, non? And you can pop the mommy. Oh, mais nous, ce match est serré. He gets so excited every time. Il va tout remonter, mais clairement. Il fait qui là comme ça, gros? Non, comme ça. That set card is a Raigeki break. Melfi Pony is able to add back. Lui, il va plus faire de. Ok, that's fine. Diva off the top, that's okay, dude. Son adversaire. Grâce au poney. Qui renvoie en main, ouais, hop. Je reprends. Je sais même plus ce qu'il y a dans son pied. Ah, voilà. Yes. He's doing it. He's really doing it. Le deck est génial, mais j'avoue que le deck est
est mieux que ce que je pensais. Moi, je le voyais que sur le point. LOL. Mais en fait, heureusement qu'il y a des gens qui réfléchissent plus que moi dans le jeu. Il faut regarder, lui, il a une idée de merde, mais moi, je vais prendre cette idée et je vais fermer. Parce que je pense que même Melfi en TCG, c'est pas si mal, non? Pour ceux qui jouent au TCG en ce moment, je veux dire. Parce qu'avec Tri-Brigade, ça doit être pas mal. Ok, il est juste attaquant. 200 sur 200? Parce qu'il ne veut pas être blown up by Regeki Bridge. Il va crash Deep Sea Diva into his Ryko. Boum, j'ai récupéré les cartes en main, j'ai tout ce qu'il me faut. Comme il est défaussé, il y a rien. Oh. Il nous faut ces cartes. Ça y est, je veux jouer Melfi. Ils sont alpha en plus. Alpha, je ne sais pas qui c'est, mais ça a l'air d'être un truc bien, bien chaud. Dommage. Dommage qu'il ait son paléozoïque. Comment il remonte? Mon sang? Je suis tendu. Je suis tendu, vraiment? Il récupère les pièges qu'il faut. That's so cool. That's very cool. Endless Trap Hell is very cool with this, actually. And in the end phase, we'll activate Melfi Pony. Ouais, en fait, Pony, il faut toujours l'invoquer. Oh, après, il recycle, il fait des fossés, et dans tous les cas, tu joues un monstre. Pony is single-handedly just carrying this. Yeah, Pony is really pas mal du tout, hein. This is so good with Endless Trap Hell. What a neat engine. On by his lonesome, he's gonna attack. With the Canadia. Novo's really turning the on. Ouais, je fais l'effet, bouge pas really fou. Turning on like what fabled unicorn control could really be like. And I'm tu renvoies, tu récupères, du coup tu défausses. Oh. Yeah, that's fine. Attack 1200. He doesn't even need to do anything. Il est détruit. Ah non, il prend. Désolé. C'est vrai que c'est lent, mais je peux aller un peu plus vite. Ouais, je peux accélérer le truc. Crazy. On va déjà un peu plus vite. Enfin, ça va plus vite, même s'il met quand même 10 ans à jouer. What's up, Payne? Good to see you. Mais il avait pas déjà fait, c'est que j'ai l'impression qu'il a déjà joué 15 fois. He's playing baby, so baby raccoon just came to duelings. But Novo Mortis is known for unicorn control, so he's playing that with Melfi, and we're seeing Melfi Pony just carry him. Pony, bien sûr, hein. Qui s'y attendait? Tout le monde. Top tier water XYZ versus one little pony. That's pretty much what this is. Pony qui débarque, XYZ. Ça y est, le jeu commence. Oh, there it is. Ruby Topaz. Oh non, ne m'en parle même pas. Contre Romain, ça doit être, c'est vrai, ça doit être bien chiant. Bonnet. Comme, oh punaise, en plus c'est... Vu qu'ils ont une main chacun, mais que Bonnet recycle. Je sais pas, ça va, c'est une carte chacun. Oh, zéro carte, comme ça il peut faire ses effets. Ah bah non. Allez, tu vas attaquer mon Bonnet? Tu peux pas. En fait, Poney est indestructible. Voilà. Juste parce qu'il s'en va. On va pas regarder le deuxième match si c'est aussi long que ça, mais j'ai compris comment ça se passe. Et c'est vraiment... En mode attaque ? Enfin, tu t'en fous, tu le renvoies dans ta main après. Du coup, oui, tu peux toujours avoir le même nombre de cartes que l'adversaire grâce à Poney, qui fait que ah ben on en aura une chacun, ou deux chacun, ou aucune, si tu fais pas l'effet de Poney. C'est pas mal. Par contre, le joueur requin, il a dû avoir rouge. Hein. Quoi, il m'a tout contre... Comment il a gagné? Il jouait des bêtes, qu'est-ce qu'il... Il jouait Melfi! Comment il m'a eu? Hop, voilà. Attaque. I'm pretty sure. And brings a friend. Oh no, it doesn't bounce his cost. If he wants to, he will add the Cerberal back. Okay. Adding the fabled Cerberal back into his hand.
And then what's cool is Raigeki Break pitches for cards. Il va faire deux licornes. Oh, il pète une carte pour être sûr d'avoir. Ah, c'est ça. C'est ce que je disais. Il y a une poney. Tu changes la carte. Pareil pour Momi. Ah oui, Momi, vu qu'il prend un matériel. Oh. Oh, mais le deck est trop bien, en fait. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir... unicorn. C'est trop bien. Faut que j'aille voir dans quelle box on les chope. Hop. You're able to make another unicorn. He has the third unicorn. Let's go. Mito. Non, pas Mito. Yes! Number 64, Rodent Raccoon! Yes! I love this card. C'est celui qui m'emballe le moins. Oh my gosh. Raccoon. Oh my gosh, I'm popping off right now. He can't activate anything. Licorne, elle est même pas passée. Voilà. Oh, c'est une... oh, ça va, j'ai eu peur, c'est une SR en plus, licorne. Je crois que c'était une UR. Curse of the Dead. Ouais, je vais aller voir ce qu'il y a dans cette box. Yes, dude. Yes, let's go, Novo. Et voilà la première win du joueur Melfi. J'ai même pas vu qui a gagné, mais. Pardon. J'étais trop loin. C'est pas grave, tant pis. Ah. Non, on va pas mettre des pubs dans des pubs dans. Voilà, la pub de la pub Twitch revient sur Twitch. Et ben en tout cas c'est intéressant. C'est intéressant comme deck. Je vais bien bien travailler dessus pour essayer de le refaire. Et Inception. Action. Voilà, c'est pour vous. Ensuite, je remets. Non, mais non. Oh. Voilà. Du coup, je vais peut-être vous remettre Dueling, ce serait mieux. Histoire qu'on voit. Hop. Du coup, Unicorn. Ah oui, il y a. Par contre, ça, pourquoi? Ah, ça pète une carte. Ok. Il faudrait ça deux fois et ça une fois. Et il faudrait aussi. Où je l'ai mis? Elle est là. Elle, il la faudrait encore deux fois. Mais elle, c'est une UR par contre. Et elle, ça va être compliqué. Non, c'est pas. Ah si, c'est une UR, elle est là. Elle, ça va être chaud. Puis c'est dans une vieille box. Ça, je vais aller le chercher avec les tickets. Parce que je... Du coup, en attendant, je ne serais pas joué le Melfi version vrai boss du game. Mais les autres, je peux aller les chercher. Sachant que dans la box actuelle, je ne cherche rien d'autre. Donc, je peux clairement aller chercher la licorne que j'ai encore perdue. Elle est là. Tant que votre adversaire a le même nombre de cartes en main, annulez tous les effets de magie, de pièges, de monstres. C'est vraiment... Et détruisez des... Oh punaise. Ça annule et ça détruit. C'est cheaté. C'est trop fort. Bah merci à toi Azula pour ce... cette decklist. Moi ici... Quelle heure il est? 16. Moi je vais devoir arrêter. Oh, je vais devoir arrêter pour aujourd'hui. Bah attendez, je me gratte parce que... Ma jambe me gratte à fond. Oh, merci. Du coup, je disais... Qu'est-ce que je disais? Je vais devoir arrêter pour aujourd'hui. C'était un peu... C'était à la base juste pour l'opening. Je remercie tous ceux qui sont venus. Pour... Non, tous ceux qui sont venus, parce que je savais pas si au matin ça marchait, samedi matin. C'était un test. Samedi matin, du link, ça marche. Ça marche, non? C'est propre. On va quitter le mode studio, mais ça marche. Je vous dis à la prochaine. Je mettrai ceux qui sont sur le Discord. Bonne journée les gens. Bonne journée à toi Liam. N'hésitez pas à follow si ça vous a plu. Rejoindre le Discord. Tous les réseaux sont dans la bio. Je ne suis pas sur tous. Enfin si, je suis pas actif sur tous. Mais en tout cas, n'hésitez pas à follow, à soutenir. Ça fait toujours plaisir.
Je vous dis à la prochaine, lundi ou mardi. Ça dépend quand j'ai mon colis boîte d'acquisition. En tout cas, passez une bonne journée, un bon week-end. Salut. Je raid, hein, bien sûr. Je vais d'abord raid quand même. Mais je vous dis à la prochaine. Tchuss les gens. Merci du follow, Liane. Ça fait plaisir, vraiment sympa. Je redisparais. En fait, il n'y a personne à raid. Du coup, je vais vous laisser ici. À la prochaine, les amis. Passez un bon week-end encore. Salut!